Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, je vous attends, soyez connectés et on va essayer de dialoguer ensemble. Je vous attends, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir pour une énième fois. Pardon. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous attends, mesdames et messieurs, faites-moi signe si vous êtes connectés. Ok. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir, merci. Patricia Bandouzi, bonsoir. Ah, merci Miss de Miss. Merci Patricia Bandouzi, merci. Merci d'être là. Mesdames et messieurs, je vous attends. L'affaire japonais. Mujapo. Qu'est-ce qu'un playboy, mesdames et messieurs? Ah, coucou Inès. Bonsoir à monsieur Bongo. Jérémy. Franck-Sana, bonsoir. Je vous attends, mesdames et messieurs. Nous allons développer ce que c'est l'état d'esprit d'un playboy. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je vous dis bonsoir sans plus tarder, je ne vais pas tellement vous retarder, il est 19h05, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 février 2023. Alors nous allons faire une émission sur les audios. Il y a les audios qui circulent. Vous avez entendu les audios, je ne vais plus remettre les audios. Je reviens encore sur quelque chose sur laquelle j'insiste souvent. Je viens pour traiter un sujet, pas pour faire un débat. Je viens pour apporter une réflexion. Nous sommes en 2023, j'ai dit, si une vidéo devient virale, ou bien si des audios deviennent virales, je ne sais pas si on dit une audio ou bien un audio, je suis obligé à un moment donné de prendre ça maintenant sur mon compte. Surtout si ça touche un sapeur, ça vient dans ma juridiction du ministère de la SAP. Celui-là, la fois passée, j'ai intervenu sur un sujet qui était d'un couteau parce que ça concernait un sapeur. Les audios concernent aussi un sapeur, pas n'importe lequel, Mujapo, japonais. Alors, en tant que gardien du temple Sapal, en tant que dernier des Mohicans, je me bats pour que l'image de la SAP ne soit pas négative. Nous avons connu, nous avons eu des difficultés
pour que le sapeur soit regardé aujourd'hui avec dignité, avec fierté. J'avais intervenu la fois passée lorsqu'on avait dit que tout sapeur est bourgeois, j'avais dit non, c'était une mode. Aujourd'hui, il s'agit d'un playboy. Est-ce que playboy... Qu'est-ce qu'un playboy? Mesdames et messieurs, nous allons y aller avant d'y aller dans les audios. Pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'on parle de playboy, nous sommes des playboys. Le playboy, c'est celui qui a un flair play. Nous, le mot carré, Playboy katu ka ka Playboy a finga ka te Playboy a ko salaba o jote ya Marc Wana. Parce que là nous sommes en train d'ouvrir des brèches. Nous avons déjà des difficultés ici avec les filles qui font du rondo. Nous avons des difficultés déjà avec les sapologues. Si maintenant aujourd'hui les Playboys commencent à faire les mêmes choses que les sapologues, que les rondos, alors dans ce cas la sape n'existera pas parce que la sape a des valeurs. Bonne chance. C'est ça être playboy. Accorder, dire à l'autre, bon, bonne chance, si un playboy commence à faire les audios, ce n'est pas bon, mesdames et messieurs, parce que nous sommes dans le mimétisme. On laisse les audios aux sapologues. Et aux personnes qui font le rondo, nous sommes des playboys, Beto, éducation kakaïnette, dans une éducation moussoussou, dans une idéologie moussoussou. Mesdames et messieurs, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vais commencer par moi-même. Je l'ai dit, je le répète, et j'étais dans le business. Mais parfois, lorsque je partais en prison, mais lorsque je revenais, parfois la copine qui était mienne était partie avec un autre homme et avec mes affaires. Je n'étais pas bon coup. Mais on ne disait rien. Mais on ne disait rien. Bien salamour, bien wambila. Bon coup, zazing, tu t'es pris à Kento. Basi ba bis ba beti biso ba bonko e bele tango bisa tozo kene na wele. Ba kentu mingi mbogu ya babi me beti me kimi na babi me beti ba me kwa na ba bakali ya kaka. Me beti ka ba playboy. Beti wanda zonze vin. On se dize kan se va la vi. Playboy ke vengeur, me tamo ke vingil mwanya kentu na. Piske mwanka vutri di anakop. Kote an me kwa nda. Si mon chien n'a pas le vol de l'homme, il y a des saliques, il y a des photos de diac. Le playboy attend. Le playboy est un vengeur, qui est là, qui est là, qu'on a fait sa mouga mi bé là. Mais quand vous ce cas là? Donc le playboy attend, le playboy est un vengeur. Quitte à ce quoi vous combat, comme moi, n'en kento ou na, qu'on bagarre de l'homme, qu'on bagarre de l'homme. Sans qu'on attend ce mot. Moi, je ne me bats pas avec quelqu'un qui est un bikiandi. Je ne frappe pas avec quelqu'un qui est un malembe. Puisque quelqu'un nous a dit que nous sommes bons. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas batariser. Et le playboy doit respecter l'autre. Parce que lorsqu'il t'a pris la femme, toi, tu es en prison. Donc, un adversaire à Coco, ce n'est pas ton adversaire. Lui, il a pris une femme qu'il avait trouvée, que la femme était libre. La femme ne l'a jamais dit que je vis dans cette maison avec quelqu'un. Donc moi, je n'ai pas de problème avec celui qui a pris la femme. Tu laisses une femme à la maison, l'autre vient chez toi, il trouve personne. Madame ne lui dit pas que je vis avec quelqu'un est en prison. Et l'autre, il est où son tort? Et moi, quand je sors, mais je n'ai pas de problème avec l'autre.
Tout ça va Playboy. Et qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je repars encore dans mes business. Mais lorsqu'elle entendra que mon toit vous est le guinda. Comme ce sont des femmes cupides qui aiment l'argent, qui aiment les vêtements. Takoudiaga vous supposez kaba encore. Bête pas vengeur tena. Diaka kaba diane bongambe. Yanni que quiz diaka. Mais si nous avons un film qui est là, si nous avons un film qui est là, 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 même un jour, même si nous avons un poste qui est là, nous avons un film. Si kala ka kete kala ka vous a kala ko puisque mi ame ko le met do ke sa ou je met tout le mot audio aboga kare la manema même celle s'était trompée aboga kare la kakala ko ti playboy champachite. C'est pourquoi je dis souvent que il faut qu'on fasse très attention. Déjà, il faut qu'on sache pourquoi on est sapeur. Qu'est-ce que l'état d'esprit d'un playboy? N'oubliez pas, mesdames et messieurs, lorsque j'interviens, je dis, j'apporte une réflexion, je ne viens pas faire un débat. Je ne viens pas pour faire des polémiques. La sape est devenue universelle, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, les Ouest-Africains nous regardent. Les Ouest-Africains nous regardent. Parce que maintenant, aujourd'hui, la SAP est universelle. Donc, la SAP est maintenant partout. Et nous sommes les tenants du tigre. Nous sommes le Brésil de la SAP. Quand je dis nous, c'est le Royaume Congo. Et quand je parle du Royaume Congo, je parle de la République démocratique du Congo, je parle de l'Angola, les trois Congos. Nous devrons donner maintenant une bonne image de ce mouvement que les grands nous ont laissé. Un playboy n'a pas le droit de faire des audios tels que l'a fait Japonais au Japon. Japonais est un petit frère. Si j'interviens, chaque fois que j'interviendrai, ce sont des gens avec lesquels j'ai de l'affection. Parce que les Japonais, en tant que playboy, Mokazaba est grand, qui est généré comme Mokuzukunjing, le problème. Grand Samu qui est Songika. Donc, les Nomona, Samu Njiri qui est en bête. Mojo Yokele, Japonais, c'est un playboy qui nous fait plaisir ici. Dekaka, dekaka. C'est un garçon qui est très poli, qui est très souriant. Mon Japon ne peut pas le faire. Il n'est pas sapologue, il est sapeur, il est playboy. Playboy, kasaka, bima bioko, bichir mon Japon. Il faut kazaba. Que samouka yirigere, c'est pas bon. Nous ne sommes pas des sapologues, nous sommes des sapeurs, nous sommes des playboys, nous sommes des cracks. Katu yirigaka samoumioko. Dekaka, dekaka, il nous a habitués. Modeka, théorie, boudage, nkelo, c'est mon Japon. C'est celui-là qu'on connaît. Pas celui qui vient de faire les audios. Ça ne lui ressemble pas. Et je le dis encore pourquoi. Parce que l'année passée, je l'ai vu évangéliser. Il est en train de prêcher la bonne parole. L'année passée, les Japonais faisaient des directs en Zambie et en Zonzelaka. À Mokancha Faso, c'était hier 2022. Comment se fait-il que Tata Longi, les gens qui ont été voyés, ça m'étonne de ce garçon-là. C'est une brèche. C'est pourquoi je veux qu'on ferme cette brèche-là.
pour dire que un playboy n'agit pas comme vient d'agir l'autre là. Parce qu'ici, il se fait d'un rien et puis ça devient une mode. Non. Non. Le playboy peut se venger. Il y a pas longtemps, un autre playboy a fait quoi? Il a pris la même femme, il est parti, il a fait semblant de ramener cette femme à Brazzaville où il a déposé cette femme, il est revenu avec son enfant. Tu playboy, tu te vengerais, baka. Wakala madame de Pintama Wankana. Ngebo Chérie, il faut tenir au bravi tant que tu as eu ce retour. Tu le bats, wakal le bats. C'est ça, Playboy. J'aurais préféré que Japonais ou Japon, qu'il fasse la même chose, qu'il ramène celle-là en Afrique du Sud, là où il avait connu, qu'il la dépose là-bas, qu'il fasse semblant que chérie, il faut qu'on fasse une descente en Afrique du Sud. Et qu'il la dépose là-bas, comme l'a fait l'autre qu'il a déposé à Brazzaville. Et non, à faire des audios. Bah, mon cas, c'est la 1800. Ça signifie quoi, ça? Pendant 3 ans, moi, je suis en train de facturer Takoudian, pendant 3 ans. Je suis en train de dire. Même si pendant 3 ans, c'est vrai. Tu lui payes la maison, il y a un autre qui part, bien, bien, cool. Je suis en train de dire. Il y a 3 ans, quand même, là, tu me foutas. Je suis en train de me foutas. C'est quand même incroyable. Quand on regarde les tenants et les aboutissants, faisons la part des choses. Par rapport aux audios, mon Japon voyage, il va en Afrique du Sud et il rencontre cette femme-là. Kento tomba ou ta tomba. Ou son est cette kata. Non. Affaire de fond à côté ça. Mon chapeau. Mais c'est normal. Bilingue bien au moins. C'est normal au côté ça. C'est normal que tu t'occupes d'elle pendant 3 ans, mais après, si on écoute les audios, il paraît, je dis au conditionnel, parce que je n'ai ni les tenants ni les aboutissants, j'ai seulement 2 audios. Ton audio à toi et l'audio qui a été fait en Afrique du Sud, je me dis, bon tiens, j'ai quand même la forme, je peux traiter la forme. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Donc je ne rentre pas dans la vie privée. Je prends les 2 audios. L'audio qui vient de l'Afrique du Sud et l'audio de mon Japon. Alors je me dis, si mon Japon repartit avec la mère de ses enfants, c'est aussi une bonne chose. Mais dans ce cas, libère l'autre. Et si l'autre aujourd'hui croise une autre personne, montons un peu comme chez l'adversaire à Coco. Parce que le bon élan qui est un homme qui est dans le Coco. Quand on est un kento Coco, on le bat comme nous sommes bon élan. Quand on est un kento Coco, on le bat comme nous sommes bon élan. Il y a raison que ce 1800 n'a été parce que, à 2 mois, si on n'a pas les naïotés. Ah, ce que ça va maman banana autour de n'a pas les naïotés, moi, non, le bas, ah, moi, n'a maï, zong sanga l'ar n'a maï. Et même, les soko à mon amour, si on a, ou autour de l'IA pendant 3 ans, ce gars, lui, bon, foutez les soko n'a maï. Mon Japon. Au il y a 3 ans. Non, c'est Playboy. On n'a jamais rien dit. On n'a jamais rien dit. On est reparti à zéro. Et nous sommes restés amis avec ces mêmes femmes. Hein. Nous sommes restés amis avec les mêmes femmes qui nous ont tapé le bon coup. Moi, quand tu es là, tu bon, coup de loco yenda. Mais quand ça là, non bon, on tient à que ça. N'a t'égabine que tu viens quoi. Yenda fond. Bon,
konako mufunda okenda welo tikala nga larite bo larisi la nafuta avukana zake na iloko te fala na teka bilambana na teka bashen musicali ngape fona lia fona tinda mero larina na mboka kenda kufunda kento na bakala taba chenda afunda kenda kufunda ngato zake masila mbali ngea kwa nifundi ande akote et puis elle va te dire quoi? Si nous bossons le gars, c'est qu'un enquête. Donc on a gagné le gars. Et alors, on fait quoi? Et on fait la paix avec ces femmes-là. On a fait la paix, mesdames et messieurs. Et si vous faites la paix avec ces mêmes femmes, vous redevenez amis. Et si vous savez qu'avec elle, vous prenez du plaisir. Mais vous allez continuer à prendre du plaisir, maintenant en cachette. Et le cocu, ce serait qui? Ce serait celui qui pense qu'il vous avait ravi une femme. En fait, quand il devient cocu, vous le faites cocu sans lui dire. Bon, mon âme, on dit l'homme, comme si rien n'était. C'est ça un vengeur. C'est ça un playboy, Kazonzakako. Donc faites attention. Nous sommes dans un mouvement qui est le nôtre, l'ASAP. Je vous avais dit que l'ASAP est des valeurs. Si vous ne savez pas que l'ASAP est des valeurs, si l'ASAP est des valeurs, je suis en train de vous transmettre ces valeurs de l'ASAP. Vous voulez avoir une femme à la maison et une maîtresse, que vous louez une chambre, c'est tout à fait à votre honneur. Mais si elle attend, elle attend, elle attend, vous ne vous manifestez pas. Elle a besoin d'avoir des papiers. Si vous n'avez pas la possibilité de lui donner les papiers, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai vu qu'elle est paxée, ou bien peut-être que je l'ai vue avec une robe blanche. Ça signifie que l'autre lui a donné la possibilité d'avoir les papiers. Est-ce qu'elle va se gêner? Toi, Mouja, pour te repartir avec la mère de tes enfants, c'est aussi une bonne chose. Alors, Moussa souhaitait bonne chance. Moussa souhaitait bonne chance. En fin de compte, avec toutes les personnes que j'ai parlé de cette histoire, bon, les Lemona Mouja pour. Ah, moi, l'amour m'a dit. L'amour m'ouvre à faire zozo de bakou yendi comme un animé que l'Afrique du Sud de Rukanga. Dans votre âme, on a chimpana ou kata, on a bilingi biobi, on a bobote bobo, on a kabuta bako. Tel est l'enfant à se récupérer mon 1800. Mais je m'arrête au taku pendant 3 ans au Anadio. Comme on a déjà foutu ça, foutait taku diand, j'aurais déjà pendant 3 ans. Kulenda joko. Donc ça ne sert à rien. Les 1800, mon petit, j'aurais préféré que tu l'appelles, que tu discutes avec elle, farafara, que tu lui dises, petit, faut pas salar nangaï. Mais avec les temps qui courent, même si tu laisses un message sur son portable, elle peut le mettre sur les réseaux sociaux. Donc ça ne sert à rien. Farafara, tu l'appelles, tu lui dis, voilà, moi je t'ai amené ici, bon, je pense que j'ai fait une mauvaise affaire, donne-moi mon argent. Vis-à-vis, oui. Mais en passant par les audios, mon petit, c'est mal géré. Parce que les audios, mais t'as son partout. Peut-être que tu as raison de demander ton argent. Mais la forme que tu fais, tu passes par les audios. Sur 100%, voilà, on peut dire 30% des gens seront derrière toi. Ce sont tes amis. Les 70% des personnes qui essaieront de raisonner, te donneront tort. Et, oh, bah qu'il a aimé, la cigo, salopard. Ça m'a dit quoi, oui. Diaz, lolo. Fallo, elle est bagouantambi. Je serais certain que...
Peut-être que tu regrettes. Pourquoi tu l'as quitté? Ou tu n'arrives pas à gérer deux femmes, mais elle a attendu quand même 3 ans, mon Japon. Pendant 3 ans, c'est que KLM peut y aller me vingil, toi, tu es français. Tu lui donnes pas la possibilité, pas de pacs, pas de mariage. Bon, c'est vrai que tu lui payes une chambre, tu t'occupes d'elle, mais tu ne fais rien pour l'aider, par exemple, pour ses papiers. Tu es français, fais un pacs avec elle. Bon, en fin de compte, tu repars vers la mère de tes enfants. Voilà, c'est normal. Tu repars avec madame, c'est normal. C'est une sage décision. Voilà, les enfants seront contents, ravis de revoir papa et maman. C'est une sage décision. Mais il faut libérer l'autre. Tika moninga kende. Nande, respire bien, mon Japon. C'est toi qui as semé la car. Ah, tu playboy, tu as mon petit bagana, petit frère Bobo de Kaka, mon Japon Bobo Zonza italien. Bito kanga, comme le coco, elle, kunaga kunaga. Kati shira tu playboy ko. Kani tu la moya kaka yoko. Non. Mesdames et messieurs, mon Japon c'est un garçon, je vous dis que je connais très bien. Voilà, ça ne lui ressemble pas. Je serais certain qu'il comprendrait qu'il a commis une erreur avec les audios. Donc j'attire l'attention des Playboys. C'est pareil, mes aventures vous arrivent. Discutez vis-à-vis avec cette personne-là, vous lui dites que voilà, donne-moi mon argent. Mais ne faites pas les audios, ça ne nous ressemble pas. C'est pour les sapologues, c'est pour les gens qui font les rondos, ça ne nous regarde pas. Nous, nous sommes des sapeurs, nous sommes des playboys, nous ne sommes pas des sapologues. Nous ne sommes pas dans la polémique, nous ne sommes pas dans les rondos. Donc il faut qu'on fasse attention, nous avons un mouvement. Nessie Milande, oui, bonsoir. Nous avons un mouvement à sauvegarder, une image à sauvegarder, l'image des sapeurs. La sape est devenue universelle. Il est devenu le 11e art, comme le dit bien Frédéric Micomo, le professeur de la sape contemporaine, et comme le dit bien Abel Placide Wambessa, l'enseignant de la haute sape. C'est devenu le 11e art, c'est à nous. Il faut qu'on fasse très attention. Je vous ai dit que nous avons des enfants. Nous avons des comportements qu'on ne peut plus faire. Un playboy ne peut pas faire des audios tels que l'a fait l'autre là. Voilà. Je suis désolé, je persiste cette dressine. Non. Et bon, n'a pas de tati. Kanita, mais Kachina, tu playboy. Voilà. Enlevez ça, dégagez ça ne nous ressemble pas. Si vous repartez dans l'histoire de la SAP, c'est nous repartons avec Baya Gonde Maleba. Vous repartez même avec celui qui est dans la sape depuis 1958, le vieux Kiki Lamam, Parisien Kimboba. Mboba Tousséra. Baya Franco, Mboba Tousséra, Mboba Tête, Mboba Petit Baba, Baba Laoukiri. Tu as tiré tes playboy, quoi. Tchekatingaya, je ne voulais pas le dire, mais Tchekatingaya, Katishira tu playboy, playboy kasaka jirboko. Parce que dans 2 matins, si les playboys commencent comme ça signifie que les playboys vont commencer à mettre les nudités des femmes, ce qui ne nous ressemble pas. Parce que nous sommes des playboys, lorsque nous avons connu la SAP, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Ce n'est pas notre éducation, ça parle. Moi, pourquoi j'ai déchiré mes vêtements? Mais parce que chaque fois que je partais en prison, lorsque je laissais une femme, elle partait avec mes vêtements. Quand je revenais, il n'y avait plus rien. Mais je n'ai jamais crié au loup. Je me suis dit, abonné Baba Kila, je vais changer de look, tenda tenda. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une femme qui gardait mes vêtements, c'est la mère de mes enfants.
La dernière fois, je suis parti en prison, je suis venu voir celle que j'avais laissée à la maison, elle est enceinte, mais pas de moi. Mais j'ai pas cherché à savoir, Nawantolejmi. C'est pas mon problème. Mais c'est pas mon problème. Celui qui vient Ouajoutolejmi, il a vu une fille, il a vu une femme dans ma maison qui était seule. La femme ne l'a jamais dit que moi j'étais en prison. Moi, quand je sors, elle est enceinte de 6 mois. La dernière fois que je suis sorti. Et en ce moment-là, je fais quoi? Mais je lui dis de partir. C'est tout. Je l'ai même dit d'amener le lit. Et pourtant, j'avais laissé l'argent, j'avais laissé la marchandise. Mais quand je suis revenu, il n'y avait rien. Mbongozani kani, marchandise mani kani, madame Oganajimi. Qu'est-ce que je fais? Mais aujourd'hui, je parle avec la même femme, c'est une amie. Voilà, Ezarithme. Ezarithme qui yonke, Ezarithme ma cop, Ezarithme n'a basé au tout droit qu'elle m'a tout passé. Ou à tous les petits bacs, tout le monde est bon. Tant que tu pour n'a pas de yébaka, yo y a robé dans la banque. Mais comme te lingi qui boule na bango, te lingi ba vis na bango, te doaga bango, po ba yebi mosala wana rodobe. Yamona ko te doaga bango. Donc, si tu vas en prison, fais abati yando comme pité na ndi kumani, mambo ka sala vwiki. Et ça ne nous étonne pas. Alors, Moujap. Bako gende le kumani, ma eka. Sika sabuna wakati amuna tako. Yani nina ana kabaki laka. Ya sala na ku souvenir. Mais oui. Muntu ka buka ta yenda ku takwa. C'est la vie. Et ça te fait mal, mais jalousie, un boy na ça te fait mal, mais c'est ça la vie, hein. Bilenge bio bote bien bas. Et il me fallait en quoi là? Pourtant, tu as fait le plus dur. Où est le bon que l'Afrique du Sud, tu ramènes ici. Or, pendant 3 ans, il est bien au Bénin. À Moka, viens chercher des chaises. Putain, oui, Alexia, je crois. À Moka, viens chercher des chaises. Muntu ka boka bonge le kwande o ka go katisela mbongo mile wisa ano ka buba kako lui t'a pas ravi la femme chez toi, il n'a rien à voir avec toi. Tu as 2 choix maintenant, mon Japon. Ou tu récupères cette femme et tu laisses la mère de tes enfants tranquille, ou tu restes avec la mère de tes enfants. Tu laisses tranquille la Sud-Africaine qui est devenue parisienne. Ça me semble quoi, ouais. Hein? Voilà, mesdames et messieurs, voilà, donc je reviens sur ce sujet. Je parlais qu'il y avait une affaire d'audio. Je me suis dit, je vais intervenir dedans parce que c'est un playboy, c'est un sapeur. Voilà, ça ne nous ressemble pas. Je suis le dernier des Mohicans. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais oui, je suis le dernier des Mohicans. Je suis le gardien de ce temple, Sapal. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui rentre dans notre communauté, je suis de cette communauté-là, la communauté de la Sap. Je suis dans cette diaspora-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, en tant que Mbutamuntu, mais pas en mal, hein? Voilà. Mais je ne traiterai pas tous les sujets parce qu'il y a, y a d'autres personnes qui sont polémiqueuses, qui ne comprendront pas ma démarche, qui pourront mal interpréter. Je traiterai un sujet si je connais la personne, si j'ai des affinités.
Parce que cette personne saura que Mais de l'autre côté, il y a une nouvelle génération qui est venue ici. On les appelle les rondonneuses, si on peut dire. Hein. C'est une génération, il y a Bantu c'est rondo. Ça n'a rien à voir avec la SAP, mesdames et messieurs. Le rondo n'a rien à voir avec la SAP. Donc, il y a des sujets que je pourrais traiter, si ça concerne un sapeur. Mais si ce n'est pas un sapeur, si c'est les gens qui font le rondo, non. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi je vais m'intéresser sur la SAP, sur les aspects de la SAP, Playboy, Nkutu. Voilà, je reste dans la SAP. Voilà, j'essaie d'orienter pour vous dire que voilà, nous étions là, voici ce qui se passait, je vous ai dit. Et nous aussi, et nous avons perdu des femmes, nous avons perdu. Mais Playboy, faire playback, c'est un gentleman. Il ne calcule pas l'autre. Voilà. Mais s'il veut reconquérir la femme, c'est à lui de reconquérir la femme. Le Playboy, c'est ce qu'il fait. Mais il ne calcule pas l'autre, parce que l'autre n'est pas son rival. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, je pense que je vais m'arrêter à ça. Je reviendrai peut-être s'il y a un autre sujet. Voilà, je voulais seulement apporter ma contribution sur ce qu'on appelle un Playboy. Voilà, nous avons une image, la SAP, si nous partons de Matsuwa, donc nous avons ce mouvement depuis 1922. Nous sommes en 2023, ce qui signifie que notre mouvement a maintenant 101 ans. Nous sommes centenaires avec ce mouvement-là. Il est à nous. Les grands nous ont laissé ce mouvement-là avec les valeurs, avec les codes. On doit respecter ces codes-là. Playboy Kasaka, Samu Sabunako, Kadukisa, Kabim Penedian Kentoko, Kasaka, Ojozogoshiri. L'autre là. Moujap. Tu as quelque chose à dire? T'es la moine en kendo, vokane non? Tu lui dis ça en face. Ne laisse pas de message parce qu'avec les audios, elle peut aussi mettre ça aussi sur les audios. Voilà, c'est à nous de faire très attention. Le dehors est gâté, il faut faire très 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 attention. Le playboy, c'est le respect. Le respect de soi-même, le respect de la partenaire avec laquelle on a vécu pendant 3 ans. Mon chapeau, pendant 3 ans, tu as de bons souvenirs avec cette dame-là, avant que tu l'amènes avant l'Afrique du Sud. Garde ces bons souvenirs. Garde ces bons souvenirs. 1800. Ma papa loi, ta gama yoga, l'intalouk 1800. Vanité de vanité, biloko pamba. Voilà. Ma papa m'a que 1800 euros. C'est quoi? Nous avons même beaucoup de là. C'est pas grave, mon petit. Bantu beko ba kwela ba kento wa kala. Ban karishi la mbongo za mala vwa taka ni bala na buta koko ale. Je laisse, je ne prends pas, je libère. Mpemba ni tawo kento mekani bonga timako. C'est comme ça. Kuma batako to kumi koko bakento. Mais quand ça a chargé bakento, beaucoup nous sommes des playboys. Ni boka baka bakala de mona, on ne parle pas. Quand ça a attaqué, bantu boko batako do kena ngure za bala beto. Parce que kako beto ako babonga bakento, ba zwangu e pana bisoti. Ba ko kuta basi ngo ba koma ki bango moko. Donc c'était des femmes seules, bango badui et komi ya bango. Donc baza bambana na bisoti, baza barivote, toza barivote. Donc, respect ce respect. Donc, respecter Bango, Bango peut pas respecter Bisoke, Bisonde, Batotosala, Basiwana Bazala. C'est tout. Avec le respect. Vous respectez l'autre qui est là maintenant. Vous n'appelez pas n'importe comment. Si vous avez un téléphone, si vous savez que vos enfants sont grands, vous appelez vos enfants, vous n'appelez plus la mère des enfants, puisque les enfants ont leur portable. C'est ça le respect d'un playboy. Voilà,
Donc tu ne vas pas l'appeler pour un oui, pour un non, quand on est ensemble, que tu ne l'appelles pas. Maintenant, si nous avons un peu si vous avez un que Muntuna Vova, Motuana Zana Vova, vous connaissez que Yonde Motuana Zana Kuna Voye, vous connaissez le sous. Moi, c'est Wana, puis c'est Maman Banana. Ça, c'est notre histoire. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais traiter ce sujet-là. Bon, je crois que j'ai fini. Tu play ball, Jalouiri. Voilà, donc japonais Mujapo, mon petit. Voilà, tu sais comment je fonctionne quand tu es là, mon bico. Mais je me suis dit que, attention, il y a une année de cela, tu étais diacre. Je pense même que tu es devenu pasteur. Donc, un homme de Dieu, celui qui enseigne ne peut pas se comporter de la façon que tu t'es comporté. Voilà. Longisa ta longisa, mamba manzambi kuizon zilaka. Tu viens avec la Bible. Boutala mou Bible, momona que, voilà. Ou yedegre kawona samouko, kawona samoumbeteko. Donc, souhaite cette femme-là bonne chance. Voilà. Moussa souhaite bonne chance. Voilà. Vous avez fait 3 ans ensemble ici à Paris. Tu la connais en Afrique du Sud, c'est que vous avez de bons souvenirs. Garde les bons souvenirs d'elle. Voilà. Tu ne sais pas ce que la vie va nous donner. Peut-être que dans 2 matins, elle pourra t'appeler pour te dire qu'il y a un engagement. Ils ont reçu le costume. Voilà. On ne sait pas. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. N'oublions pas que l'on ne se moque pas de notre Dieu. Voilà. Donc, nous avons mis Zonzelaka. Donc, ta Zonzele Nanzambe Matelika. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai 10 minutes. J'ai 10 minutes pour vous parler d'une actualité. Si on peut dire une actualité, c'est pas une bonne actualité. Nous avons perdu un ami. Nous avons perdu un ami. Bon, pour moi, c'est pas un ami, c'était un petit frère. Je parle d'ici de fils Oscar, qui est décédé hier. Il est décédé hier vers le mai. Je vous parle de ce garçon, puisque nous sommes en train de parler de Playboy. Je l'ai connu en 1986. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2023, ce qui fait 86. Donc, nous sommes en 2023. Donc, ça fait 37 ans que je le connais, ici, en France. Ce garçon-là, c'était le petit frère de tous les grands frères. C'était le grand frère de tous les petits frères. C'était le grand frère de toutes les petites sœurs. C'était le petit frère de toutes les grandes sœurs. Pour vous dire que, voilà, c'était quelqu'un de jovial, de serviable, au service des autres. Ce n'était pas un homme à femme. Il était plutôt un homme des amis. C'est-à-dire que ce n'était pas un homme que vous pouvez garder à la maison. Il va rester à la maison. Non, il faut qu'il y ait. Mais ce n'est pas pour aller chercher les femmes. Mais il faut qu'il y ait un terrain. Il faut qu'il y ait un ganda. Lui, ce sont les amis. Bah, camarade. Ce genre d'homme-là n'existe pratiquement plus. Ce garçon-là qui est parti. Si vous demandez à 100 personnes, il y aura peut-être 98 qui vous diront la même chose que je suis en train de vous dire. Fils Oscar. À cette époque-là, son meilleur ami, c'était Duke Kubemba Chamar. Vraiment, je vous dis, c'est le parisianisme même. Wobwakati, Montou Anansai, ce garçon-là est parti. J'ai vu une vidéo. Je vous laisse la vidéo, on va finir, on va regarder la vidéo, vous allez voir, voilà. Donc je voulais vous dire que, voilà, nous avons perdu un ami, un frère, que je connais depuis 1986. Il a vécu aussi avec moi, chez moi, dans la rue. J'oublie. Il a vécu avec moi.
lorsque je vivais au Maître Blanche. Voilà. Du coup, Bemba Chamal peut témoigner. Voilà. Donc, il a vécu avec moi. Il est avec moi, avec Alain Camara, avec Sambala Jama, Manhattan, avec Jamaïcain Mwanama Bendo Wantété, avec Jean Denis. Voilà. Donc, il a vécu avec moi. Voilà. Donc, je vous mets la vidéo. Je vous le montre. Bon, là, nous recherchons la famille de fils Oscar, Oscar Ouizédi. Il paraît qu'on cherche ça. Là, c'est l'affiche de l'autre là. Bon, je vous montre la vidéo. Voilà, j'ai vu cette vidéo. Je me suis dit, tiens, je vais quand même vous la partager. Voilà, la vidéo est là. C'est une vidéo que j'ai prise chez Lionel Moutou. Voilà. Fils Oscar est là. Ça, ce sont les derniers moments. C'est une vidéo de 9 minutes. On va écouter ensemble. Un homme jovial. Il est là, à droite. Voici japonais, Mujapo. Vous avez vu japonais, l'homme aux audios, Mujapo. Thank you.
Bon, mesdames et messieurs. Bon, voilà, la vidéo est sur ma page, vous pouvez regarder. Voilà, je vais encore donner une anecdote par rapport à ce garçon-là. Je vous ai dit qu'il est trop jovial. Voilà, c'est la vie de ce garçon-là, c'est-à-dire avec les amis, les potes, tout ça. Voilà, c'est ce qu'il était. Bon, en 86, je l'ai connu. Et je pense que j'étais encore parti en prison. Et puis, il s'est décidé de faire un retour. Le parisianisme, comme on se dit. Je pense, si je ne me trompe, qu'il avait fait oh, peut-être 13 ans ou 14 ans. Net te lobaka, bobutlagamolari, ou il rata maintenant. Kuretour gaïna, ou il rata maintenant, il a fait au moins 13 ans. Plus que même peut-être de 13 ans. Donc, à Kendo Kangama, Kenda retour, à Kendo Kangama, je pense qu'il avait fait 14 ans ou 15 ans. Filmer, j'en sache, Mvouti peut me dire ça. Et puis, il est revenu, il était revenu, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il était revenu en 2011, après au moins 15 ou 17 ans. Un seul retour, oui, il est Ratamana. Il a fait au moins 17 ans, il est revenu entre 2010 ou bien 2011. Voilà, j'aurais cru comprendre qu'il a laissé deux enfants. Et qu'il a laissé deux enfants. Il y a un enfant ici en France, qui a 19 ans. Et là, il s'apprêtait, ce vendredi-là, non, il s'apprêtait. Oui, d'ici deux jours pour aller récupérer son enfant au Maroc. Il a deux enfants. Un enfant est déjà ici qui a 19 ans. Et l'autre enfant, il l'a placé au Maroc. Donc il devrait partir au Maroc ce vendredi. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Donc, il allait partir après-demain, c'est-à-dire ce vendredi, pour aller chercher son enfant au Maroc. Il est mort hier. Voilà ce que j'avais comme nouvelle par rapport à ce garçon-là. Voilà. Donc, deux enfants. Un retour au Congo-Brazzaville. Il avait fait au moins 17 ans. Il est revenu en 2011. Il a un enfant ici. Un enfant au Maroc qu'il allait récupérer ce vendredi. Et il est mort hier, mardi. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais vous parler de ce garçon-là. Voilà, qui a vécu avec nous, qui a vécu avec moi. Donc, le 9e arrondissement, métro Blanche. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et voilà, d'ici là, n'oubliez pas ce que c'est un Playboy. Donc, merci. Donc, voilà. Donc, le Playboy, c'est ce, c'est un gentleman qui subit, qui ne dit rien, qui applique la règle de croix. Tout voir, tout entendre, ne rien dire. Mais le Playboy peut être un vengeur. Voilà, un point c'est tout, mais... Le respect, c'est ce qui nous caractérise. Benou Mwangana Kento, il y a un problème V. Vingila de tournant. Kota n'y a que Kwenda. Si y a mes bacs V, il y a que Futuka. Maintenant, il y a que Satanayandi. Mais, Playboy, que Finga Kento V, il m'a vu ensemble. Il y a que Salama V. Voilà.
Playboy aussi que Singa avec camarade na ba vandaka ye pi ba me ko se bebana bet ke Singa ve bet ke nata mam ne sote na miela e bet ke Singa ve bet bi ki au na ba sapolog na ba bat na sala barondo. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Et peut-être à demain, c'est encore un autre sujet qui concerne ma communauté, celle de la SAP. En tant que gardien du temple SAPAL, en tant que dernier des Mohicans, je vais veiller. Je vous dis bonsoir. Vive la SAP. Merci à vous.